dans cette immense installation, cet environnement qui s'appelle Going Forth by Day, où on entre dans la salle et en face de nous, il y a une scène avec des activités quotidiennes, un immeuble, une façade d'immeuble devant laquelle des gens passent, vaguent à leur activité, comme on dit. Et puis, il y a une accélération, bon, mais ce à quoi on ne s'attend pas, c'est ce déluge qui sort de ce bâtiment violemment. Et là, le son, encore une fois, est extrêmement important. C'est le son qui fait que l'on est emporté, nous aussi, dans ce déluge. Alors là, il y a une violence. C'était peu de temps après les événements de septembre. Donc, même si là, c'est un déluge et pas des tours qui sont mises en feu, en flammes. Mais quand même, il y a cette présence de la, je trouve, de la catastrophe imminente. Tout le temps. Quelque chose peut arriver tout le temps et est prêt à exploser. En tout cas, moi, c'est ce que je sens fortement dans beaucoup de ces œuvres, même quand tout a l'air très paisible, et surtout quand tout a l'air très paisible.